Bonjour tout le monde, je suis à Vival by Casino. Voyons voir ce qu'il y a dans la poubelle. Oh, que la bière. Ah. Allez, elle fuit la canette, elle est quasiment vide. Oh, regardez-moi ça. Du muesli bio. Ah ouais, 2 euros au lieu de 4,17 €. Et il y en a encore là. Et la date, c'est quoi là-dessus? 18 septembre. Eh ben dis donc, on est le 20. C'est impeccable ça, le muesli, ça se garde. Il y a des chips. Et il y a encore du muesli. Il y a une tonne de muesli. J'ai séparé les deux caisses parce que là, il y a beaucoup de trucs à prendre. Regardez-moi ça. Il y a des chips Lay's partout là. Et il y a encore du muesli en pagaille. Oh là 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 là. Eh, c'est un score, les gars. Les gars, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Et là j'ai renversé la bière sans faire esprit, celle qui fuit. Je l'ai renversée sur le carton du muesli, mais bon, c'est pas grave, c'est fermé. Regardez-moi ça. Des chips. Là il y a des trucs aussi. Ah, c'est la première fois que je trouve des bâtonnets de poisson dans les poubelles. T'imagines? Combien de mois? À 9 mois environ que je fais ça. C'est la première fois que je trouve des bâtonnets de poisson dans les poubelles. Regardez. Des Lay's méditerranéennes 100% huile d'olive nature. Saveur de l'année 2018. Il y en a déjà deux paquets là. Quatre paquets. Paquet. Sept. Attendez, je vais aller regarder par ici. Ah, il y a des vieilles salades. Elles sont foutues. Ah, ça c'est du basilic, mais bon, c'est foutu aussi. Tiens. Attendez. Un kit pour Faritas. 2,57 € au lieu de 5,35 €. De la vieille salade là. Ah, il y a des toasts. Regardez. Toast nature 66 centimes au lieu d'1,40 €. Ouais. C'est à peu près tout ici, on dirait. On va continuer à regarder de ce côté-là. Attendez, j'ai fait tomber un truc. Voilà, il y a les coustibates là. Enfin, je sais plus si c'est des coustibates. Non, c'est pas des coustibates. C'est les doudingues de casino. Il y en a plusieurs, mais bon. Ça, je vais pas le prendre. Là, il y a des tomates. Il y a quelqu'un qui a dû les laisser. Ouais, je vais pas les prendre, les tomates. Et là au fond,
Il y a encore des bâtonnets là. Des bâtonnets de poisson. Enfin, ça, c'est ceux que j'ai déplacés. Ils sont foutus. Et là, il y a quoi? De la salade. Il a l'air d'y avoir des fruits et légumes là-dedans. Attendez. On va regarder ça vite fait. Ah ouais, regardez. Il y a du poireau. Hey, il est beau le poireau. Regardez. Hey, ils sont beaux les poireaux là. Je vais les prendre. Regardez-moi ça. Des beaux poireaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre hein? Voilà, les pommes elles sont flétries. Il y a des courgettes rondes. Elles sont pas en bon état. De la salade. Du melon pourri. Les oranges elles sont moisies aussi, j'ai l'impression, j'en ai vu une moisie tout à l'heure là. Ouais. Ouais, elles sont toutes molles les oranges. Ah, un concombre. Il est en bon état le concombre, je vais le prendre aussi. Bon. Voilà. On va refermer la poubelle. On va la remettre contre le truc. Comme elle était exactement. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà ma récup pour aujourd'hui. Regardez-moi tout ça. Un concombre, trois poireaux. Je sais plus combien de paquets de chips. Lay's, 7 paquets. Des toasts, un kit Faritas et 7 paquets de muesli bio aux fruits et graines. C'est bien tout ça. C'est super. J'ai jamais récupéré autant de céréales de ma vie. Voilà, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire et partagez la vidéo pour faire connaître ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus pour une nouvelle récup. Bonjour tout le monde, je suis de retour au magasin de fruits et légumes. On va voir ce qu'il y a dans la poubelle. Waouh, une tonne de tomates cœur de bœuf. Mais bon, elles sont pas en bon état du tout. Très très molles. Des pruneaux. Ouais. Ça va être compliqué pour fouiller là aujourd'hui avec tout ça. Ouais, il y a beaucoup de pruneaux. Et ils sont bien foutus, bien moisis. Donc, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que c'est ces trucs violets là? C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Nico, tu vas me dire ce que c'est toi. Grossiste en fruits et légumes. Parce que là, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et il y en a plusieurs de ces trucs là. J'ai jamais vu ça. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose là. Je vais pas pouvoir trop fouiller parce que c'est trop rempli de trucs pourris sur le dessus. Mais bon, on va quand même essayer de regarder un peu. Attendez, j'ai un moucheron qui... Il y a un ananas là, mais il est foutu l'ananas. Après, ouais, il y a des oranges coupées. Un autre ananas. Donc, on va regarder ce qu'il y a par ici, voir. Mais bon, c'est pas gagné aujourd'hui, je crois.
je crois qu'il n'y a rien. Ah, encore un ananas. Bon, après là c'est que des oranges coupées. Bon, je crois que je vais laisser tomber pour aujourd'hui, c'est mort cette poubelle.